Le retournement de face en ceinture. Comme pour d'autres retournements, pour réaliser le retournement de face en ceinture, le lutteur offensif commence par exercer une forte pression avec son torse sur la ligne des épaules. Puis, il vient ceinturer avec les deux bras le torse de son adversaire juste derrière les aisselles du lutteur adverse. Il engage ensuite sa tête le plus loin possible sous son adversaire pour déclencher une rotation latérale de l'ensemble du binôme. En fin de mouvement, lorsque l'adversaire est sur le dos, il doit rester vigilant à bien reposer à nouveau son torse sur la ligne scapulaire de l'adversaire. Ce retournement amène naturellement vers une finale dans le prolongement.